Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, moi, nous, on vous Très, entend. très bien, super. Bonjour à tous, je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent pour la participation à ce webinaire. Malgré vos contraintes très professionnelles à tous, un grand merci à professeur Ndaré pour la modération de ce webinaire dont la thématique présente un grand fléau dans notre pays. Merci aussi à professeur Zouhair, qui est l'ami de l'AMBM, qui répond toujours présent à nos sollicitations et pour son aide pour la réalisation de ce webinaire. Un merci aussi pour professeur Bousclaoui, qui a répondu tout de suite favorablement à notre demande pour la participation à ce webinaire. Aujourd'hui aussi, on va donner la parole à deux chercheurs, Dr Abdellaoui et Dr Kmichou, qui font partie de la fondation Masser, avec qui nous avons un partenariat, et nous avons souhaité leur donner la parole pour nous montrer un petit peu et encourager la recherche Made in Morocco. Et aussi, ils vont nous parler des réalisations qu'ils ont faites et les projets sur lesquels ils travaillent, et notamment de lampe TB qui nous intéresse aujourd'hui. On veut vraiment les encourager et voir un petit peu ce que nos chercheurs marocains sont capables de faire. Je voudrais pas oublier aussi nos partenaires et sponsors, à savoir IM Alliance, les laboratoires Roche, la fondation Masser et les laboratoires Mabiotech nous ont permis de la réalisation de ce webinaire. Et un dernier mot pour remercier aussi le bureau de l'AMBM qui ont travaillé aussi pour la réalisation de ce webinaire. Sans plus tarder, je vais donner la parole à professeur André pour la modération et l'animation de ce webinaire. Merci à vous tous et je vous souhaite un bel après-midi scientifique. Merci, docteur Audrey. Merci à l'AMBM et bien sûr vous à sa tête pour avoir initié ce webinaire sur une thématique toujours d'actualité au Maroc et je crois qu'elle le restera même après la fin de la pandémie du SARS-CoV-2. Et donc, le diagnostic microbiologique de la tuberculose est toujours un diagnostic d'actualité puisqu'il n'y a pas eu de grands changements sauf avec le développement des techniques moléculaires. Et donc, je remercie en nom de l'AMBM les éminents conférenciers qui ont accepté d'animer ce webinaire, comme tu viens de le dire, en commençant par mon ami, le professeur Saïd Zouhir, professeur de bactériobiologie à la faculté de médecine de Marrakech, dont il est chef du laboratoire, responsable du laboratoire de bactériologie et virologie à l'hôpital Mohamed V, l'hôpital militaire de Marrakech, Avicenne de Marrakech, et actuellement président de l'ALMI, c'est-à-dire de l'Association de lutte contre les maladies infectieuses. Notre deuxième conférencier, clinicien cette fois-ci, est notre président de la SMPI, de la SOMIPEV, pardon, de la Société marocaine de pathologie infectieuse et pédiatrique et de vaccinologie. Donc, c'est le professeur Mohamed Bouskraoui, doyen de la faculté de médecine de Marrakech, infectiologue pédiatre et chef du service de pédiatrie à la faculté de médecine de Marrakech. Et bien sûr, avec nous, deux éminents chercheurs de l'Institut Masser, que sont le docteur Imen Abdellaouimen, qui est chercheur, docteur, chef de projet en recherche-développement en biotechnologie à l'Institut de la Fondation Masser, et le docteur Zineb Michaud, qui est aussi chef de projet senior au Centre de recherche en biotechnologie médicale cette fois-ci à l'Institut Masser. Donc, je leur laisserai bien sûr le soin de présenter cet institut et ce centre de développement des techniques et recherches.
Donc, il n'est pas, comme je l'ai dit au début, la tuberculose est un problème qui reste d'actualité au Maroc avec un nombre élevé de nouveaux cas chaque année. Il est vrai que nous en parlons moins parce qu'on a l'impression que la tuberculose est passée dans les habitudes médicales. Nous avons encore de nombreux décès par la tuberculose. C'est vrai que ce n'est pas aussi frappant que l'a été la COVID-19, mais il a été important que la MBM reprenne ce sujet et redonne la parole à cette thématique aussi importante. Donc, nous allons le programme de ce webinaire a été organisé autour d'une présentation sur les actualités dans le diagnostic biologique de la tuberculose par notre ami le professeur Saïd Zouhir. Puis c'est le professeur Mohamed Bouskraoui qui va prendre la parole pour parler de la prise en du point de vue du clinicien dans cette prise en charge de la tuberculose. Et après ces deux présentations concernant en général le diagnostic, la prise en charge de la tuberculose, nous aurons deux présentations spécifiques au diagnostic moléculaire et au développement, la recherche et développement qui seront faites par nos deux chercheurs qui sont le docteur Abdelawi et le docteur Kimichou. Voilà, je pense que nous allons commencer sans tarder, les questions viendront après, les discussions viendront après et je donne tout de suite la parole à monsieur, notre ami, le professeur Saïd Zouhir pour nous présenter les actualités dans le diagnostic biologique de la tuberculose. À vous la parole. Merci, cher ami professeur Mdri. Je crois que j'ai partagé déjà l'écran, ça se voit, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Très bien, parfait. Alors, chers collègues, chers amis, je tiens tout d'abord à remercier la MBM de nous avoir conviés à cette manifestation scientifique, même à distance. C'est une thématique extrêmement intéressante. Malgré le contexte épidémique actuel, les collègues de la MBM ont bien voulu, s'intéresser et mettre en évidence, bien sûr, cette thématique qui reste d'actualité. Et aujourd'hui, nous allons parler, en tout cas de mon côté, les actualités dans le diagnostic biologique de la tuberculose. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même donner des chiffres parce que ça reste alarmant, puisque toutes les 3 secondes, on a une personne qui est infectée par le bacille de Koch, par l'agent de la tuberculose. Et elle fait partie, bien sûr, des 10 premières causes de mortalité dans le monde. Et jusqu'à maintenant, on considère qu'il y a un quart de la population mondiale qui est infectée par la bactérie Mycobacterium tuberculose, soit à peu près 2 milliards de personnes. C'est considérable et c'est des chiffres qui ont été déjà avancés par l'Organisation mondiale de la santé en octobre dernier, 2020. Et donc, on considère que 7 pays représentent 64% des nouveaux cas dans le monde. Il y a l'Inde, l'Indonésie, la Chine, les Philippines, le Pakistan, le Nigeria et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, donc c'est les 7 pays représentent 64% des nouveaux cas de tuberculose dans le monde. 6 millions de cas dans le monde de tuberculose ont été déclarés, ce qui signifie 41% des cas seulement, parce que, en fait, la réalité, c'est que à l'échelle mondiale, il y a 10 millions de personnes qui contractent la tuberculose chaque année. D'ailleurs, en 2019, c'est 10 millions de personnes, alors qu'il n'y a que 6 millions qui ont été déclarés. Ça veut dire qu'il y a quand même une sous-déclaration par rapport à la tuberculose. Sur ces 10 millions de personnes qui ont contracté la tuberculose, il y a 5,6 millions d'hommes en 2019, 3,2 millions de femmes et 1,2 million d'enfants. Au total, en 2019, il y a eu 1,5 million de, à peu près 1,5 million de morts, de décès par la tuberculose, rien que l'année dernière. Et ça, on peut le comparer actuellement au chiffre qui a été atteint par la COVID-19. On est à 1,5 million de décès hier sur presque l'année. Donc, vous voyez que quand même, ça reste une mortalité considérable par la tuberculose pour situer quand même le contexte épidémiologique.
Ça reste évidemment un véritable fléau mondial puisque l'infection à VIH a entraîné une recrudescence de la tuberculose dans le monde, particulièrement en Afrique subsaharienne. Et un deuxième facteur de gravité qui s'est ajouté, c'est la résistance aux médicaments antituberculeux avec des agents tuberculeux multirésistants, voire ultra-résistants, ce qui a compliqué davantage l'épidémie de la tuberculose, l'épidémiologie de la tuberculose et sa prise en charge, bien évidemment. Alors, la tuberculose, justement, la multirésistante, elle demeure, elle constitue une crise de santé publique au niveau mondial et elle menace la sécurité sanitaire au même titre que le coronavirus qui se passe actuellement. Donc, ça menace réellement la sécurité sanitaire au niveau mondial puisqu'on a une recrudescence encore de la tuberculose multirésistante, ça reste gravissime. En 2019, 206 000. Pourquoi ? Parce que plus de 200 000 cas de tuberculose multirésistante ou de résistante à la rifampicine ont été détectés en 2019, l'année dernière, alors qu'en 2018, c'était un peu moins, c'était 186 000 à peu près. Donc, ça augmente et donc ça devient inquiétant. Au Maroc, 30 000 cas, toutes formes confondues de tuberculose sont enregistrées en 2017, à peu près chaque année, on a 30 000. L'incidence est considérée entre à 88 000, à 88 ou 87 par 100 000 habitants. Voilà. Et donc, il y a un plan stratégique national qui a été élaboré dans l'un des artisans et le professeur Bouskraoui avec les autres collègues. Il va en parler largement, je pense. Et donc, vous voyez que 6 régions enregistrent 86%. Où vivent 78% de la population sont enregistrés donc la majorité des cas de tuberculose. Alors on le vif du sujet et on y est maintenant, le diagnostic bactériologique. Alors bien sûr on va commencer nous, on reste standard dans la vision du microbiologiste, d'abord le prélèvement, l'examen direct, la culture et puis les techniques complémentaires ou les techniques qui sont en train de supplanter aussi les techniques conventionnelles et puis la place des autres techniques que nous avons adoptées dans nos laboratoires et qui sont extrêmement intéressantes. Alors, la manipulation, bien sûr, il faut le souligner, la manipulation des bactéries constitue un risque pour le personnel du laboratoire. Donc, il est impératif de faire attention, d'avoir des infrastructures adaptées et adopter des critères de sécurité, aussi bien de point de vue équipement que de point de vue infrastructure. Bien sûr, on ne va pas dire que, il faut impérativement avoir un P3 pour manipuler le BK. Ça n'est pas possible dans toutes les situations, mais en tout cas, il est impératif de renforcer davantage les mesures de sécurité lorsqu'on va manipuler des échantillons de tuberculeux. Alors, la tuberculose, bien sûr, on va dispatcher entre la tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire à travers les prélèvements pulmonaires notamment. On reçoit les expectorations spontanées ou induites, le tubage gastrique, les aspirations bronchiques, lavage bronco-alvéolaire. Pour la tuberculose extra-pulmonaire, c'est plutôt des liquides de ponction pleurale, péritonéale, ponction lombaire, péricardique, articulaire, ganglionnaire, des hémocultures aussi, des selles, des urines, le pu, des tissus divers aussi. Donc ça, c'est lorsqu'on parle de la tuberculose extra-pulmonaire. Donc vous avez toute une panoplie de prélèvements et chaque type de prélèvement bien sûr il y a des mesures et des moyens techniques qui permettent de la détection, la tuberculose pulmonaire par rapport à l'extrapulmonaire. Bien sûr, lorsqu'on parle de ces prélèvements, il y a des prélèvements souillés qui nécessitent une décontamination, d'autres qui arrivent de territoires stériles et qui plutôt n'exigent pas une décontamination, évidemment, comme le LCR par exemple. Alors, le problème, c'est que le crash, ce qu'on appelle vulgairement le crachat ou l'expectoration ou crachat d'expectoration, le patient peut être assis ou debout, mais il y a des mesures. Le problème que nous avons, c'est que on reçoit des prélèvements, c'est la phase préanalytique qui est capitale pour le résultat. Et pourtant, on a encore des problèmes sur ce prélèvement parce que normalement, ce prélèvement, il représente un territoire pulmonaire qui est un territoire naturellement stérile, d'accord ? Sauf que ça passe par
la voie orale qui est la voie qui est pleine de flore commensale, et donc ça va être souillé, d'accord. Et donc l'essentiel, c'est d'avoir d'abord un produit ou un prélèvement qui représente réellement le territoire pulmonaire là où la tuberculose va sévir. Et donc, ce qui est important à souligner, c'est que d'avoir un crachat qui est habituellement épais et muqueux. Il peut être fluide et contenir des particules purulentes, bien évidemment, ou du sang, mais en général, il doit être blanc opaque au vert, du blanc opaque au vert. Les échantillons qui paraissent incolores ne conviennent pas parce que c'est de la salive, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut que le clinicien explique au patient ou même le biologiste lorsqu'il va lui donner le flacon stérile, bien évidemment, il faut qu'on explique. Moi, je m'arrête toujours sur ces sujets parce que c'est on va dire la phase importante du reste du résultat. Bien sûr, le transport, la conservation, on peut conserver jusqu'à 3 jours, 4 jours, jusqu'à 10 heures à température à réfrigérer à plus 4, bien évidemment. Alors, les examens microscopiques, ça existe depuis 125 ans. Vous imaginez que l'examen microscopique du BK existe depuis 125 ans. C'est l'examen, l'un des examens les plus vieux et qui reste quand même très simple, rapide, qui renseigne sur la présence de barres. Les barres, c'est-à-dire les bacilles acido-alcoolo-résistants. Et donc associé à signes cliniques radiologiques ou histologiques, ça permet bien sûr de confirmer le diagnostic. Et ça renseigne aussi sur le caractère bacillifère, il faut le souligner, et donc le caractère contagieux du patient. D'accord ? Donc ça c'est l'examen clé en fait du diagnostic, puisque d'emblée déjà on peut avoir une idée sur le degré de contagiosité du patient. Vous avez bien sûr l'examen qu'on connaît habituellement, Zell-Nielsen, avec des bacilles acido-alcoolo-résistants qui paraissent roses sur fond bleu, mais il y a aussi l'examen à l'oramine. Qui est beaucoup un peu plus sensible, mais qui nécessite du matériel, un microscope à fluorescence et bien sûr des techniciens avertis, en tout cas des opérateurs avertis. Voilà, bien sûr, il y a tout des chiffres qui s'appliquent aux examens directs après concentration par centrifugation, et notamment le nombre de barres par champ, par 100 champs, par 200 champs, etc., avec des 1 plus, 2 plus, 3 plus et 4 plus, c'est pas un cours magistral, on va passer directement. L'OMS a révisé la définition des cas du Frotchi positif pour les pays à haute prévalence, et pour définir un cas positif comme ayant un bar sur 100 champs sur deux crachats collectés. Sur deux crachats collectés, le deuxième n'étant examiné que si l'examen du premier crachat est négatif. Et ça, c'est un élément important. Cet examen, il n'est pas très contributif pour les tuberculoses extrapulmonaires. Il faut le souligner. Et chez les enfants, parce que justement, elle l'a dit tout à l'heure, professeur Mdrri, la difficulté de recueillir les prélèvements, le professeur Bouskraoui, notre pédiatre référent, va en parler certainement. Et il y a cette difficulté de recueillir les prélèvements chez les enfants, comme je l'ai dit, pour avoir un prélèvement consistant qui arrive du territoire pulmonaire, etc. Ça n'est pas évident chez l'enfant. Et donc, c'est pour ça que cet examen direct, il reste quand même très peu contributif pour les tuberculoses extrapulmonaires, et particulièrement chez les enfants. Les cultures sur milieu solide, comme l'Ovenstein-Jensen, bien sûr, les milieux à l'œuf coagulé, ou encore le collet de sauce qu'on utilise parfois, bien sûr, parce que pourquoi on utilise le collet de sauce? Parce qu'en fait, le mycobacterium bovis ne pousse pas sur l'Ovenstein-Jensen et il pousse sur le collet de sauce. C'est pour ça que pour augmenter les chances d'avoir, si jamais il s'agit d'un mycobacterium bovis, par exemple. Il y a plusieurs technologies ou cultures des automates qui sont
préconisée, bien sûr, qui existe depuis les années 90. Bact Alert, notamment de Biomérieux, ou le Bact Tech d'Umjit, voire le Versatrek. C'est des milieux, c'est des cultures en milieu liquide qui permettent bien évidemment de réduire les délais de réponse en moyenne de 10 à 14 jours au lieu de 6 semaines par exemple en milieu solide. Et ça, c'est un élément important. Après sont arrivées les méthodes moléculaires qui ont un intérêt dans la confirmation d'une culture positive avec identification des espèces. Elle permet la détection directe des acides nucléaires sur les prélèvements biologiques, ce qui était impensable il y a quelques années. Et maintenant, on peut détecter directement sur les prélèvements. C'est extrêmement intéressant. Et donc, ça impacte aussi les délais de prise en charge. Et aussi, ça permet de détecter la résistance aux antituberculeux, ce qui est d'un apport considérable. Il y a plusieurs types d'automates commercialisés, comme l'Amplicor, Cobas Amplicor de Roche. Il y a le Gène Probe ou encore le Probetech. Il y a plusieurs automates. Le gène expert qui a un atout considérable, et là pour on va en parler tout de suite. Et il y a les techniques d'hybridation comme l'Inolipa Mycobacterium qui sont aussi recommandées par l'OMS et qui comprend une amplification par des amorces sur des séquences nucléotidiques et qui permet bien sûr de détecter des résistances parfois. Donc la détermination de la sensibilité aux antituberculeux, il y a la technique de référence qui est la méthode phénotypique par la technique des proportions. Elle reste laborieuse et ça demande beaucoup de temps. Et donc, ces techniques ont été supplantées par les techniques automatisées par la suite. Et puis, il y a eu les méthodes génotypiques maintenant avec le gène expert. Nous avons bien sûr qu'il y a une sensibilité, une spécificité très élevée. Elle rend un service considérable. Alors les tests IGRA, je ne vais pas en parler et leur place. Le professeur Bouskraoui va certainement s'y atteler davantage et donc pour qu'il n'y ait pas de répétition. Et donc on va laisser la place des IGRA ou IDR, etc. Dans le diagnostic de la tuberculose ou la tuberculose latente. En tout cas, les indications des principales techniques sont très claires. Vous voyez ici que les cas en cas de tuberculose bacillifère active, l'examen microscopique reste l'examen clé puisque très rapidement entre dans une lame colorée par Zinnison ou à l'oramine, on peut rapidement mettre en évidence le patient positif est contagieux avec le degré de contagiosité. Pour les autres formes, notamment les tuberculoses extra-pulmonaires, vous voyez ici que les cultures en milieu liquide ont supplanté davantage l'examen microscopique, chez les immunodéprimés aussi, chez l'enfant, pour les tuberculoses multirésistantes. Mais en fait, pour la tuberculose multirésistante, l'amplification génique, notamment les techniques comme le gène expert, a complètement transformé le diagnostic lorsqu'il s'agit de tuberculose multirésistante, d'autant plus que pour les autres situations, elles restent des techniques complémentaires, voire des techniques qui sont en train de supplanter les techniques conventionnelles. Et bien sûr, ces techniques n'ont pas leur place dans la tuberculose latente, ou plutôt les IGRA vont avoir leur place, professeur Bouskraoui va s'en charger largement. Il y a les techniques immunochromatographiques, et puis, moi j'insisterai sur le gène expert, parce que c'est une technique qui est très facile, qui évite beaucoup les contaminations, il ne nécessite pas beaucoup de technicité, elle a été recommandée depuis 2010 par l'Organisation mondiale de la santé, et donc, technique facile, et bien sûr qui permet en ajoutant l'échantillon à la cartouche de purifier les acides nucléiques, de faire une PCR nichée et puis en même temps une amplification de la cible du complexe Mycobacterium tuberculosis et aussi de la résistance à la rifampicine, c'est ce qui a un apport considérable bien sûr, parce que la problématique en fait c'est que
39% des 48 000 cas estimés de tuberculose qui ont été déclarés sont sous-estimés, et donc il y a urgence d'avoir une technologie ou une technique qui permet bien sûr de détecter très rapidement les tuberculoses multirésistantes, et pour un isolement technique et géographique bien évidemment, et pour un traitement adapté, puisque les antituberculeux de première ligne ne sont plus efficaces, et donc il y a d'autres traitements qui doivent être bien sûr implantés, instaurés pour eux. Et donc il y a actuellement d'autres cartouches qui sont en train qui sont spécifiques, comme les MTB-XDR, qui rendent un service considérable dans la prise en charge des nouveaux, bien sûr des cas de multirésistants, puisqu'ils détectent les mutations associées à une résistance à l'isoniazide, au fluoroquinolone et même aux médicaments injectables de deuxième intention, notamment l'amikacine, canamycine, capriomycine et à l'itionamide, et tout en un seul test. En une heure, vous avez le résultat de tout ça. Et ça, c'est un apport considérable. Je pense que ça va supplanter, bien évidemment, toutes les techniques qui peuvent réaliser certaines, bien sûr, de ces antibacillogrammes, mais avec un temps, ça prend un temps considérable. Le gène expert a été étudié dans plusieurs situations. Il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés pour comparer la sensibilité, la spécificité versus le Diehl-Nielsen. Et donc, dans beaucoup de situations, le gène expert reste incontournable avec beaucoup d'études. Je ne vais pas rentrer dans l'examen histopathologique aussi. Et versus les cultures, bien sûr, qui reste le gold standard. Nous avons aussi évalué la performance de cette technologie gène expert. Nous avons réalisé une étude, enfin, nous l'avons publié d'ailleurs dans American Journal of Laboratory Medicine, et donc c'était sur à peu près 305 patients avec qui a montré une spécificité et une sensibilité très élevée. Alors, en conclusion, la tuberculose demeure un problème majeur de santé publique au Maroc et dans le monde, malgré le fait que nous sommes dans un contexte épidémique tout à fait particulier. Le tableau clinique est évocateur, mais la confirmation diagnostique est obligatoirement bactériologique et ou histologique. L'examen direct au microscope est le premier examen à réaliser, mais il est souvent insuffisant. C'est pour ça que ces techniques de biologie moléculaire ont permis un grand apport pour le diagnostic de la tuberculose, particulièrement les cas possibacillaires, par la technologie gène expert, bien évidemment, que nous avons implanté dans nos laboratoires et qui reste très efficace et qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2010. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Et l'importance de cette pathologie et un petit peu un panorama des techniques diagnostiques et de prise en charge au niveau du laboratoire, bien sûr. Et je retiens que vous avez bien insisté sur la qualité des prélèvements et sur ce qui arrive au laboratoire. Et comme on dit en biologie, on ne rend que le résultat de ce qu'on a reçu et pas autre chose. J'espère qu'en tant que référente, j'ai répondu à des interrogations. On aura encore des questions à vous. On vous en réserve des questions. Donc, je pense que, comme c'est professeur Bouskaroui qui va pratiquement parler de l'autre aspect de la prise en charge que sont les tests indirects avec les IGRA, l'importance des IGRA et l'importance de l'IDR, etc., dans le diagnostic et la prise en charge, je passe tout de suite la parole à notre président, professeur Mohamed Bouskaroui. Merci, cher maître. Merci, madame la présidente. Est-ce que vous voyez l'écran? Allô? Est-ce que vous voyez l'écran? C'est bon, on vous voit. On voit l'affiche. La c'est un grand plaisir pour moi de rencontrer mes collègues de laboratoire, les médecins biologistes, les scientifiques, les chercheurs qui travaillent ensemble. Et c'est vraiment... J'espère vraiment que pendant cette période difficile que traverse tout le monde, que vous portez-vous bien ainsi que votre famille. Je pense que
Alhamdoulilah, il y a une lueur d'espoir pour voir disparaître cette saloperie de Covid grâce à la vaccination instaurée par Sa Majesté, mais qui devrait toujours accompagner de mesures barrières. Aussi, moi, j'insiste beaucoup, c'est cette relation clinicien, biologiste, laboratoire, une bonne communication entre cliniciens, biologistes pour faire avancer le diagnostic des malades. Et puis, sachez une chose, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les algorithmes de la prise en charge de la tuberculose, que ce soit de l'enfant ou de l'adulte. Et je vous renvoie vers les guides élaborés par notre programme national de la lutte anti-tuberculose qui existe sur Internet au niveau du site de notre ministère de tutelle. Voilà, la tuberculose de l'enfant, c'est une cause importante de morbimortalité, tout ça vous le savez. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est comment replacer certains outils. Le premier outil, mon ami Saïd Zuhair en a parlé, c'est le test GeneXpert. Et puis, comment mettre en place aussi dans notre contexte où on a été éduqué sur l'intérêt de l'intradermoire, la réaction à la tuberculine, comment mettre en place, d'accord, dans la stratégie du diagnostic et de prise en charge, l'interférent gamma. Et puis, je ne vais pas vous surcharger l'esprit, il y a beaucoup de nouveautés sur le plan thérapeutique, les posologies révisées, les schémas thérapeutiques, mais je vous rassure, mes amis biologistes, je ne vais pas vous casser la tête avec ça, sauf si vous avez des questions. Et puis surtout, la tuberculose latente prend de plus en plus d'intérêt par rapport à la tuberculose active, parce que l'OMS, le monde d'Amal Alim et les Saha, il insiste beaucoup sur le fait que le dépistage précoce d'une tuberculose latente que devrait être aussi l'un des moyens de la lutte anti-tuberculose à côté du dépistage des BK positifs. Bien sûr, l'ampleur du problème, vous le connaissez très bien dans notre pays, le Maroc, où il y a encore de la tuberculose, il est toujours classique de vous montrer cet iceberg-là avec ce qui apparaît, c'est de la tuberculose active, qu'on voit qu'on diagnostique, et puis il y a beaucoup de choses qu'on voit pas qu'on diagnostique, essentiellement de la tuberculose latente. Et l'ampleur de problème peut être illustrée par la population mondiale qui est de 7 milliards et que les infectés sont estimés à 23%. Imaginez-vous une maladie aussi importante, une maladie infectieuse aussi importante qui reste toujours d'actualité. Bien sûr, en tant que pédiatre, je dirais toujours que la tuberculose d'enfant est une tuberculose l'adulte. L'enfant, il est rarement bacillifère, souvent il est infecté par son entourage et souvent l'entourage le plus proche. Alors, la physiopathologie, très intéressante à revoir, en fait, la réponse immunitaire, c'est cette collaboration complexe entre les différentes cellules que vous voyez ici au sein du granulum. Et puis, cette fameuse boucle interférent gamma, et interleukine 12, macrophage, lymphocyte CD4+, qui va jouer un rôle central au niveau de la physiopathologie de la tuberculose. Comme vous l'avez appris, c'est que le BK va arriver au niveau des alvéoles, il va tapisser les alvéoles, se multiplier au niveau des macrophages, et puis après, il y aura première possibilité après la multiplication de BK, destruction de BK, qui va entraîner une réaction inflammatoire locale et donc une sensibilisation lymphocytaire qui va nous aider à faire le diagnostic. Et puis après, deuxième possibilité, l'organisme va stopper la multiplication de BK. Et troisième éventualité, c'est les BK qui vont rester dans le granulum à l'état latent. Alors, le granulum est une structure dynamique. Il y a des cellules qui rentrent, des cellules qui sortent, qui meurent. Et lorsqu'elles se désintègrent, il y aura une dissémination de BK, d'accord, soit localement, soit au niveau régional. Alors, cette plaque est très importante. Lorsqu'on est exposé au BK, il y a les macrophages qui vont réagir, mais souvenez-vous qu'il y aura trois stades. Stade 1, stade 2, stade 3,
Ou autrement, on peut dire qu'il y a une clairance précoce pour éliminer le BK et une clairance retardée. Et regardez, c'est là, au niveau de la clairance retardée, où il y aura une sensibilisation des lymphocytes, d'accord ? Et c'est là où les tests, et où, que ce soit la tuberculine ou les gras, vont commencer à se positiver. Et donc, application pratique, si vous faites le test, du coup, on vous dit qu'il y a un enfant en contact d'un bacillifère et vous faites là le test. Bien sûr, il va être négatif et vous serez obligé de le refaire. C'est pourquoi il est conseillé de façon pratique d'orienter les cliniciens et de ne faire le test qu'après 2-3 mois de contact avec une personne bacillifère. Sinon, les tests vont être faussement négatifs. Voilà. Donc finalement, ces principaux facteurs impliqués dans la réponse immunologique qu'on a vu, malgré leur complexité, on aura déduction pratique. Il y aura une évolution dans la majorité des cas vers une tuberculose latente, asymptomatique, il y a très peu de BK, ou lorsque la charge bactérienne est très importante et le phénomène n'a pas été cerné par les défenses de l'organisme, il y aura cette évolution vers la tuberculose maladie, où il y a une richesse en BK. Et d'où l'implication thérapeutique, lorsqu'on traite une infection tuberculose latente par une monothérapie, le problème de résistance ne se pose pas parce qu'il y a très peu de BK. Alors, quelles sont les particularités de la tuberculose de l'enfant? Très rapidement, c'est une tuberculose qui est post-bacillaire. Il ne faut pas s'attendre à trouver souvent le BK. Il y a moins de problèmes de résistance. Et puis, vu le jeune âge, il y a toujours un risque d'évolution vers la tuberculose maladie et forme des formes graves multidisséminées. Regardez sur ce schéma-là, vous allez voir et vous allez connaître un peu ce qu'on prend sur la terminologie. La tuberculose, elle est essentiellement ganglionnaire. Et c'est pourquoi elle est post-bacillaire. Et dans la terminologie, dans les déclarations, qu'est-ce qu'on appelle tuberculose pulmonaire? Et c'est tout simplement lorsqu'il y a une atteinte de parenchyme, les cavernes, la miliaire. Mais si vous avez une tuberculose de la plèvre, si vous avez une pré-infection tuberculose ganglionnaire, elle est considérée comme une tuberculose extra-pulmonaire, de même que la tuberculose intra-abdominale, osteo-articulaire et neuroméningée. Donc, et si une tuberculose associe une atteinte de parenchyme et une atteinte abdominale, elle est considérée toujours aussi, elle va être classée, déclarée comme une tuberculose pulmonaire. Alors voilà, comme je l'ai dit, l'enfant, vu son jeune âge, il y a toujours un risque d'évolution, d'accord, vers la tuberculose disséminée, d'accord, comme miliaire méningite. Et puis, par opposition à l'adulte, d'accord, donc le débat va être un peu opposé, enfant-adulte, regardez, l'enfant, il y a plus de tuberculose disséminée, alors que chez l'adulte, il y aura plus de tuberculose parenchymatuse au niveau du poumon, et avec l'âge au-delà de 60 ans, on va voir apparaître un petit peu une tuberculose disséminée. Alors, la COVID, on ne peut pas s'empêcher de parler du diagnostic de la tuberculose pendant la COVID. Vous savez, beaucoup de diagnostics ont changé de maladie au cours de la COVID. Pour la tuberculose spécialement, les patients tuberculeux existent, sont toujours là, mais ils sont parfois non diagnostiqués. On s'est occupé trop de la COVID. Et donc aussi, il y a un détournement de ressources humaines et il y aura une réduction de la qualité des soins, ça a été détourné vers la COVID. Et lorsqu'il y a des lésions du poumon, du tuberculose associé à des comorbidités, d'accord, BPCE, cardiopathie, etc., la COVID va être plus grave, plus intense. Et enfin, souvent, la symptomatologie de la tuberculose et de la COVID vont se mélanger. La toux, ça peut exister les deux, la dyspnée, la fièvre, etc. Et donc, la sémiologie similaire peut parfois un peu nous pousser à être en plein période épidémique, d'accord, à penser que COVID et oublier la tuberculose. L'épidémiologie de la tuberculose pédiatrique au Maroc, regardez,
En 1980, l'enfant a constitué 17%, alors qu'il a été, d'accord, réduit à 7% en 2019. Ce sont des statistiques marocaines. Regardez les données de la tuberculose pédiatrique au Maroc. Alors, la primo-infection tuberculose, elle constitue 13%. C'est une forme aussi du tuberculose extra-pulmonaire. C'est une forme extra, en dehors du parenchyme. Il y a l'atteinte ganglionnaire, là. Et puis, regardez, l'atteinte du poumon ne représente que 17%. Hein. Le reste, c'est de la tuberculose extra-pulmonaire chez l'enfant. Et la primo-infection tuberculose, il est passé de 12 à 1%, d'accord, au Maroc. Alors, sur le plan clinique, voilà, les cliniques, les signes, je ne vais pas me tarder, je vous rassure que toux, fièvre, amaigrissement, sueur nocturne, etc., n'ont jamais été pathognomoniques de la tuberculose. Et quand est-ce qu'on suspecte la tuberculose? Eh bien, lorsque ces signes persistent, ils vont évoluer vers la chronicité au délai de 15 jours, c'est là où le diagnostic de tuberculose sera évoqué. La tuberculose de l'enfant, elle est essentiellement ganglionnaire. Et vous savez très bien que l'arbre bronchique, il est fragile, il y a une molacité, il n'y a pas une maturité de l'arbre bronchique chez l'enfant. Et de là, ces ganglions vont grandir, vont augmenter et ils risquent de se ramollir et même, d'accord. Et lorsqu'ils vont un petit peu se vider à travers une fistule dans les voies aériennes, c'est là où vous allez avoir des BECA positifs. La forme, les cavernes sont très rares chez l'enfant, c'est essentiellement chez l'adolescent lorsqu'on se rapproche de l'adulte. Et la forme de la tuberculose pulmonaire chez l'enfant, c'est une forme essentiellement ganglionnaire, extra-pulmonaire. Alors, diagnostiquer la tuberculose de l'enfant, qu'est-ce que nous avons, hein? Il y avait cette histoire, l'anamnèse, le contact de l'enfant, d'accord, avec un adulte contagieux, d'accord? C'était évoqué, cette notion de contage. Et puis, l'intradermo, la tuberculine qui existe depuis 1890, mais avec sa faible spécificité. La radio de poumon, mais est-ce qu'il y a des lésions spécifiques de la tuberculose? D'accord. Et puis, la bactériologie, c'est qu'elle reste aujourd'hui, d'accord, le seul examen qui va apporter la preuve, d'accord, du diagnostic de la tuberculose chez l'enfant. Alors, au Maroc, nous avons, pour faire le diagnostic de la tuberculose, d'accord, l'attente, hein, c'est, nous avons l'intradermo la tuberculine et nous avons les tests gras. Alors, vous savez que l'OMS maintenant a peut valider les tests des gras comme aussi des tests de dépistage de la tuberculose latente. Hein, mais le Maroc n'a pas encore assez de moyens pour généraliser ça au niveau des différentes structures de première ligne. Et donc, vous savez très bien que moi, mes chers amis médecins biologistes, scientifiques, que lorsque la cellule mémoire est en contact avec des antigènes mycobactériens, nous avons toujours soit un test cutané à la tuberculine, soit des tests sanguins in vitro. Et là, on va mesurer l'induration et avec les tests sanguins, on va mesurer l'activité de l'interféron gamma. Et vous savez, la tuberculine, vous savez, c'est un test ancien qu'on a beaucoup parlé et ça repose sur ce phénomène d'hypersensibilité retardée lorsqu'il y a une injection intradermique et les produits vont être dégradés par les macrophages et vont être présentés aux lymphocytes et puis après il y aura cette hypersensibilité retardée et la lecture se fera au bout de 2-3 jours. Alors, ce test à la tuberculine, on l'a utilisé pendant très longtemps, mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Oui, ça fait plus de 100 ans qu'on l'utilise. Il y a cette variabilité individuelle dans la lecture. D'accord? Bien sûr, il faut mesurer l'induration en millimètres, on dit pas positif, négatif. D'accord? Mais voilà. Voilà. Et puis, il y a aussi l'intradermo-réaction à la tuberculine. Cette intradermo-réaction à la tuberculine peut-être faussement négatif si on fait l'intradermo pendant la période anti-allergique, d'accord? Et puis, lorsqu'il y a une maladie
énergisante comme un déficit, une immunodépression, une maladie de système, on risque d'avoir cet intradermant faussement négatif. Et puis, je reviens à ces tests immunologiques, d'accord ? Lorsque ces antigènes, on les met en contact avec les lymphocytes, auparavant lorsqu'ils gardent mémoire, et donc ils vont les stimuler, ils vont fabriquer de l'interféron gamma, et avec la méthode des trois tubes, que vous connaissez plus que moi, le premier tube, un témoin positif, un témoin négatif, et un troisième type, un autre pour l'interféron. Et bien sûr, vous savez très bien qu'il ne faut pas réfrigérer, qu'il faut secouer, qu'il faut incuber pendant un certain nombre d'heures avant de lire, et c'est toujours quantitatif, et on va répondre soit positif, soit négatif, et puis quelques cas, on va dire que c'est indéterminé, d'accord ? Et voilà, donc au total, nous sommes devant une intradermale à la tuberculine examen classique, et nous sommes devant deux tests de libération d'interférons gamma, qu'on dit des tests gras, et qui ce sont des tests immuno-enzymatiques. Le premier, il est basé sur le truc ELISA, et l'autre, il est SPOT, que vous connaissez mieux que moi. Et finalement, je passe pour ne pas se répéter, qu'est-ce qui oppose les deux? Bien sûr, l'intradermant va nécessiter de visite, faire l'intradermant et venir pour la lecture. Les résultats, le temps, bien sûr, c'est les gras au bout de 24 heures. Les résultats faussement positifs, bien sûr, bon, exceptionnellement, on dirait qu'il n'y aura pas de faussement positif, mais les faussement négatifs, c'est possible avec l'immunodépression,